Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des invocations spéciales nécessitant trois monstres. Donc, dans ce catégorie, nous avons Raviel, empereur des fantasmes, Force Arcane Hex, maître de la lumière, le monster de Sartorius, et Plasma, héros de la destinée. Ces trois monstres donc, peuvent être invoqués spécialement en sacrifiant ou envoyant au cimetière trois monstres. Raviel a une particularité, c'est que ces monstres doivent être spécifiquement démons. Donc, nous allons utiliser du coup la carte magique Tree White qui permet d'invoquer 3 monstres normaux de maximum niveau 2 depuis le cimetière sur le terrain. Donc, là à côté, je vous ai mis la petite liste voilà, de monstres niveau 1 ou 2 normaux démons hein, que vous pouvez utiliser. Perso, j'ai une petite préférence pour le poussière ou blanc, mais chacun son avis. Du coup, notre but c'est d'être utilisé Tree White afin d'invoquer nos trois poussérons, puis de les sacrifier pour invoquer notre monstre. Bon alors là j'ai mis les trois, mais dans le deck normalement voilà, mais c'est à 20 cartes, il n'y en avait qu'un seul. Du coup, vous utilisez Tree White, vous sacrifiez vos trois monstres, vous invoquez Plasma ou Force Arcane Hex ou Raviel et du coup, ensuite, vous pouvez invoquer le chaman de la veille de la brûle, en tout cas pour obligatoire, pour le maître de la lumière et plasma, parce qu'ils annulent les effets de l'adversaire. Comme nous avons trois monstres, nous avons besoin de nos trois emplacements de zone monstre, ce qui signifie que c'est un monstre de l'adversaire qui doit nous renvoyer notre monstre à la main. Pour cela, on va utiliser la statue gardien, qui possède deux effets, le premier de pouvoir se retourner face verso et le deuxième de pouvoir, lorsqu'il est invoqué par invocation flip, renvoyer un monstre sur le terrain de l'adversaire, donc notre terrain, dans la main. Sauf que les monstres étant pouvant se faire annuler, parce que là, dans le prochain joueur, lorsqu'un effet de monstre qui cible cette carte est activé, je trouve que ça cible. Hein. Vous perdez 8 points de vie. Il perd 1 point d'attaque et une activation qui détruit tout. Donc ça va vraiment nous gêner si jamais il est annulé et tout. Donc pour contrer ces deux effets négatifs, on va utiliser le chaman de la vie de la bonne. Donc ce qu'il vous faudra c'est utiliser Tree White, puis invoquer votre monstre, puis invoquer le chaman. Le chaman de la veille de la brume renvoie votre plasma ou votre force arcane hex dans la main, laissant ainsi votre terrain sans protection à part le chaman. Du coup, tour de l'adversaire, il va utiliser les deux effets de la statue gardien pour renvoyer le chaman dans la main et ensuite ces monstres vont vouloir attaquer directement. Donc vous doutez bien, on réutilise de nouveau le merveilleux ballon qui réduit la taille de l'adversaire, empêchant ainsi les monstres adverses d'attaquer, sans détruire notre statut guerrier. Pour recycler notre Tree White, nous allons utiliser donc le recyclage, celui-là il va pas nous quitter. Et pour contrer notre recyclage, on va de nouveau utiliser la Coccinelle d'or qui ne nous a toujours pas quitté. Ensuite, des cartes de pioche, donc vous pouvez prendre le cadavre de Yatagarasu ou le jar de cupidité. Moi, je suis toujours sous mon gobelin gestionnaire avisé. Celui-là, il est toujours d'actualité. On réutilise évidemment le combo tornade localisée et l'arme gracieuse pour empêcher l'adversaire de perdre par manque de cartes en deck. Et on réutilise bien évidemment nos Verlinx, parce que c'est le meilleur monstre pour piocher. A noter que vous pouvez très bien, il y a deux cas de figure, soit vous utilisez le Verlinx quand vous avez trois monstres avec Plasma ou Force Arcane Hex pour l'envoyer au cimetière et ainsi reconstruire, invoquer votre monstre la première fois, ou alors vous laissez votre adversaire vous le remettre dans la main grâce à un statut gardien. Les deux choix sont tout à fait possibles.
Et donc nous retrouvons comme d'habitude donc contre Blair niveau 10 parce que elle n'a pas de. Son monstre le plus fort à 850 points et ne possède pas de carte magique ou piège qui peut vous gêner. Voilà. Et donc nous revoilà pour notre pour la boucle. J'étais un peu long sur ce coup-là parce que c'est réussi mes verres un peu tôt, mais sinon j'aurais pas eu ce qu'il fallait. Donc là il faut minimum 4 compteurs ballons sur votre merveilleux ballon afin que l'attaque de votre adversaire soit à 0. Maintenant on revoit notre plasma. On finit notre tour. Notre adversaire utilise l'effet de la statue gardien, fait une invocation fuite, renvoie le chaman dans la main. À notre tour, on pioche 3 weights, on utilise la coccinelle d'or, exceptionnellement utilisée par le spell. Maintenant j'utilise 3 weights, j'invoque les 3 poussières blancs. Du coup, on peut invoquer spécialement Plasma. Suivi du Chaman. Le Chaman renvoie notre Plasma dans la main. On finit notre tour. La statue renvoie notre Chaman dans la main. Coccinelle, recyclage, on envoie trouver du cimetière dans le deck, wait. Poussière en blanc,
Shaman, Kasma, et Revelot. Et on fait ça jusqu'à la fin du duel.